Et même baptisé, on est ça, baptisé. On est toujours sur l'occasion de parler avec vous. Nous disons, bon, il y a quelques autres éléments qui sont capables de compter sur l'éternel. Mais malheureusement, que c'est ce bien-aimé, nous sommes réunis ce matin. Symbolique en union de prière avec sa famille et ses autres partisans et ses partisans à travers le pays. Et Jean-Baptiste est parti. Ou bien est forcé de partir parce qu'il n'a pas choisi de mourir ici. Il a assassiné un jeune garçon. Peut-être nous avons dit tout ça. Ça c'est humain, tout ça. On dit qu'il est salué. Une fois avec ce mur, ça nous a dit dans ces circonstances ça. C'est une parole de foi. Comme chrétien, comme baptisé, comme catholique. Éric Jean-Baptiste voyage pour rencontrer celui qui l'a créé. Moi garantis ça et moi dis ça malgré monsieur Saul tu es comme et je baptise il n'est pas capable de tuer l'homme. C'est lui qui va se parler de mon question, qui savent de faire avec la vie, mon Dieu, de venir en lire. Mais le fait que vous connaissez, ma j'ai passé en temps, il est passé pour défendre Pipitio, pour défendre classe qui peut mépriser. Nous, il est quoi? Mon Dieu a pardonné le péché de nous et la. Prends le temps pour faute de Dieu, une grâce devant mon Dieu, et la jeune arrivée, c'est pas besoin de venir. Parce qu'il n'y a pas de monde qui combatte pour s'il a occupé ses lieux, pour mon Dieu m'a des compassion. Et nous répétons à travers la foi, nous comprenons. Mais ça va faire symboliquement pour Éric Baptiste. A peut-être préparé le monde pour lui faire côté mon Dieu et a fait que Jean-Baptiste joue une justice dans un pays sans justice. Ce jour, heureusement, c'est bien dans le cas pour ça. Et comme quand Pépou le dit non, dès qu'on dit non à l'insécurité, même si c'est victime de lui. Il est bon dire non à l'injustice. Il est bon dire non à la misère. Et nous connaissons des sons du jeune âge et du baptiste. Et nous monter en église pour que l'âge en plus mon travail. Nous devons que le jeune baptiste qui mourit. Ça, ça va se mettre trop petit pour moi. Nous garantissons. Il y a l'autre qui continue, il y a l'autre qui est le pays là. Dans le fond du pays là, qui est à mourir là, tout le marché là, je ne sais pas la fonctionner de l'être. C'est parce que le mal là, toujours plus attiré par ses biens.
président du RDLP, distingués invités, chers amis, représentants de l'Église du Sacré-Cœur, Monseigneur Père Bernard Fouet et Père Duvelly Louis, membres du groupe Étincelle, mesdames, mademoiselles et messieurs, bonjour. En ce triste moment de deuil de Monsieur Jean-Baptiste, nous sommes réunis pour célébrer la vie de ce grand homme qui a été lâchement assassiné par les bandits sans foi ni loi le vendredi 28 octobre 2022 à la Bourdouze. De 9h du soir. J'ai dit bandit, c'est pour signaler les responsabilités de l'État haïtien à l'égard de ses citoyens et ses citoyennes. En effet, nos dirigeants ne sont que des gardiens de l'insécurité, donc ils sont les principaux jouissaires et bénéficiaires. Ils n'ont jamais de conscience en tant qu'humains et que patriotes. Ils sont sans caractère, sans dignité et sans état d'âme. Cela exprime un premier niveau de responsabilité que nos chers citoyens et citoyennes doivent lutter pour s'en sortir. Parce que tant que nous obéissons sans rien dire et faire, ou bien chacun de nous continuer à se défendre sans rendre compte, il nous faut un compromis pour se débarrasser. Nous mourons tous d'une façon ou d'une autre sans qu'on ne cherche les deviner de nos enfants et de notre pays. On est en train d'enterrer le rêve du professeur, le François Maniga, et celui et de voir changer le pays. Donc notre avenir est hypothéqué par les bandits. Ils sont nombreux et partout. C'est-à-dire, ils ne sont pas uniquement ceux qui sont armés et de l'État. Ils sont de la bourgeoisie, ils sont de toutes sortes. Ensuite, nous parlons des grands hommes de la nation haïtienne. Le parti du RDLP, les sans-voix, les esprits ont perdu physiquement parce qu'il n'est plus là. Il est engagé de très tôt dans la vie politique, sociale et économique. Du pays tant par sa sensibilité, son caractère, son honnêteté. Homme fougueux, oui, travailleur, philanthrope et humaniste. Patriote, symbole de paix. Tout ceci exprime un deuxième niveau de responsabilité qui nous lègue une responsabilité pour aider notre pays. De ce fait, ceci s'avère des grands hommes de combat parce que ces lits n'étaient que des œuvres patriotiques et humanitaires. Enfin, nous célébrons la vie parce que ces lits nous lègue un chemin de combat, un sentiment de révolte. L'aide sociale la partie, mais rêve-lui pas campé. Donc toute famille, sympathisants, notamment la direction du RDLP dans le Sud, nous souhaitons le courage à bonne continuité pour devenir. Même gens, l'aide sociale là, faire-la. Net quatre batailles, pas mourir. Nous voyons sans sympathie, nous, par Fanny Jean-Baptiste, par membres, sympathisants, tout le monde de NPO. Et nous demandons justice pour Eric Jean-Baptiste, que sans va couler en vain. Moi, dis Fanny, encore groupe Étincelle, merci. Moi, dis Père, Bernard, Alfred, Père, merci beaucoup. Que bon Dieu protège nous, nous tout ça en fait, merci. Tout ça vient pour vivre. Mais moi,
Mm-hmm.